Alors, figurez-vous qu'il y en a beaucoup qui le savent, d'autres non. J'ai fait mes études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Ça claque, hein. Alors, pas en piano parce qu'ils n'ont pas voulu de moi, mais en histoire de la musique. Voilà, on prend ce qui reste. Et pendant mes études, j'ai eu la chance d'être envoyé en Allemagne pour pouvoir étudier la vie de Ludwig van Beethoven. Alors, je précise bien van Beethoven, V-A-N, et non pas von Beethoven, parce que Ludwig n'était pas allemand, mais flamand. Là, ça, c'est, non, il y avait vraiment van Beethoven, vous le verrez sur les écrits. Et en fouillant un peu dans le passé de Ludwig van Beethoven, je me suis rendu compte que, contrairement à ce que tout le monde croit, il n'était ni allemand, ni flamand, mais argentin. J'ai donc retrouvé la version argentine que le petit Beethoven a joué, a composé dans les rues de Buenos Aires à l'âge de 8 ans. Les parents de Beethoven étaient effectivement argentins, il s'avère que ses grands-parents étaient des émigrés espagnols. Et donc j'ai retrouvé la version que Ludwig a écrite pour ses grands-parents, la version espagnole de la lettre Élise. Si ses grands-parents étaient espagnols, figurez-vous qu'ils habitaient dans le sud de l'Espagne. Hein, et donc les parents de ses grands-parents, c'est-à-dire ses arrière-grands-parents, soit les parents des parents de ses parents, oui, venaient du sud de l'Espagne. Ou plutôt du sud de l'Espagne. La famille Beethoven étant cosmopolite, hein, vous imaginez bien que s'il avait des arrière-grands-parents qui habitaient au sud du sud de l'Espagne, il a aussi, alors excusez-moi, le beau-frère du cousin de la sœur adoptive de sa grand-mère par alliance, qui était grec. Il a donc composé une version grecque pour le beau-frère.
Je n'ai pas obligé de taper dans les mains à chaque morceau. Non. Bon, honnêtement, c'est vrai. Non, vous avez compris que tout ceci n'est qu'une vaste blague, parce qu'en fait, Beethoven était français. Enfin, français, on s'entend. Pas lui, il n'entendait plus grand-chose, mais. En fait, Beethoven était français et il était même carrément breton. Imaginez la neuvième. Alors, je disais tout à l'heure que Beethoven était véritablement flamand, hein, Ludwig van Beethoven, et nous qui habitons dans le nord de la France, proche de la frontière, on connaît très bien les Flamands, et on sait qu'ils ont deux réputations, ou réellement, qui sont plutôt près de leurs sous. Hein, voilà. Et comme le temps, c'est de l'argent, voici la Flandklatur des Helises. Et, non mais, imaginez s'il avait été corse. Et, allez, s'il avait été savoyard, là-haut sur la montagne. Monsieur Sexy Clocheman. Voilà. Il faut savoir que depuis pianistologie, je suis tenu par contrat de le faire intervenir quoi qu'il arrive. Alors, j'aurais voulu leur donner plein d'autres versions à jouer, mais pour la version qui suit, aucun de mes collègues n'a accepté de le faire par respect pour l'artiste. En effet, on dit souvent Beethoven, le génie. Ouais. Ce qu'on ne sait pas, c'est que le petit Beethoven était vraiment une bille en orthographe. Et j'ai donc retrouvé la version originale, avant la correction, de la lettre Elise. Chère Elise, cordialement, Ludwig. Certains diront que ça ressemble à la version Pierre Boulez. Je ne dis rien là-dessus. Mais à l'époque de Beethoven, il y avait deux pays qui se disputaient vraiment le monopole de la musique. Il y avait l'Allemagne d'un côté et l'Italie. Et c'est vrai que si Beethoven avait été italien, il aurait habité Venise et il aurait écrit une version plus romantique de la lettre à Élise. Antonio, mi amor. Alors bon, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on reste un petit peu en Europe ou pas loin de la maison, en tout cas, mais. S'il vous plaît, faites preuve d'un petit peu d'imagination. Pour certains, ça ne va pas être facile. Et imaginez Beethoven, les cheveux attachés, avec une natte, une longue barbichette, assis en tailleur au bord du Yangtze-Kiang.
Monsieur Sexy Gongman. Non, mais par exemple, imaginez si Beethoven était russe. Quoi, ouf. Attention, hein. Vous êtes polonais, peut-être. Et vous savez qu'on dit souvent que le peuple russe aime faire la fête, aime boire, aime danser, aime chanter. Et je pense qu'il aurait écrit une version chantée de la lettre à Élise. J'imagine que tout le monde parle russe dans la salle. Hey, 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 hey